Le 28 août prochain, les fans de scènes de ménage retrouveront de nouveaux épisodes du programme culte diffusé sur M6. Malheureusement, une actrice phare manquera à l'appel. Il s'agit de Marion Guilhem, qui incarnait le célèbre personnage d'Huguette, épouse retraitée de Raymond, jouée par Gérard Hernandez, et qui est décédée le 23 mars dernier à l'âge de 84 ans. À cette occasion, son ancien partenaire de jeu a accepté de faire la une du magazine Télé Loisirs, en kiosque le 21 août. Le comédien de 90 ans a rendu hommage à sa consœur en révélant avoir un regret depuis sa disparition, à savoir de ne pas lui avoir dit « Marion, je t'aime » lorsqu'il en avait la possibilité. En toute franchise, Gérard Hernandez a estimé qu'il le lui montrait, mais qu'il ne le lui a jamais dit. Avec émotion et tendresse, l'acteur a déclaré, « Je pense qu'elle le savait, même si elle me cassait parfois les pieds. » En guise d'explication, la personnalité phare de scène de ménage a indiqué qu'ils avaient eu, et, des caractères opposés, ce qui pouvait parfois faire des étincelles. Une chose est sûre, nous n'aurions pas pu vivre ensemble, a-t-il ajouté avec amusement, en assurant aussi que c'était d'ailleurs un atout pour leur interprétation dans la série. Supérieur à obsèques de Marion Guilhem, Gérard Hernandez a battu sa fille Virginie en larmes. Leur ultime adieu, une personnalité unique et haute en couleur auprès de nos confrères, Gérard Hernandez a affirmé savoir qu'elle, elle, aimait, autant qu'il, elle, aimait, Il faut dire que les deux partenaires de jeu se donnaient la réplique depuis 2009, date à laquelle la saison 1 était dévoilée aux téléspectateurs et qu'ils n'ont manqué aucune saison en plus de 13 ans de tournage. Et si Huguette et Raymond se disputaient constamment à l'écran, c'était aussi le cas de leurs interprètes. Le comédien a ainsi annoncé que ses meilleurs souvenirs avec Marion Guilhem n'étaient autres que leurs engueulades. Elle pouvait être d'une vulgarité telle que j'en avais des fous rires. Je voulais créer un dictionnaire avec les expressions de Marion Guilhem. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle, a-t-il ensuite développé dans les colonnes de nos confrères. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.